Et bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest IX. Lors du dernier épisode, on avait battu le chevalier Carbon. Voilà. On avait appris qu'en fait il ne s'appelait pas Carbon mais Cœurbon. Et on avait décidé de l'aider. Voilà, donc on devait faire cap au nord. On devait aller au nord. Pour aller aider notre cher ami le chevalier Cœurbon, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui on va continuer notre petite aventure. Vous voyez que je lag beaucoup moins. Alors j'ai plus des mini freezes que des lags maintenant. Je pense qu'en fait c'est parce que ça fait 3 jours que j'ai pas éteint mon ordi et que du coup... les mini-freezes, voilà. Hein. Mais je pense aussi que c'est parce que j'ai mis ma carte graphique à jour. Voilà. C'est un truc que j'avais jamais fait en 5 ans que j'ai mon ordi. Ouais. C'est un truc que j'avais jamais fait en 5 ans que j'ai mon ordi. Et on m'a conseillé de le faire. Donc voilà, je l'ai fait. On verra bien ce que ça donne. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ok, donc monsieur fait grimper sa tension. Hop. D'ailleurs, d'ici les prochains jours, vous aurez une vidéo sur GTA V, puisque je me le suis enfin acheté. Et bien sûr, mes premiers... Enfin, je vais l'essayer avec vous directement, comme je l'ai toujours promis. Voilà, tout simplement. Ok. Très bien. On continue notre aventure. Je voulais voir s'ils étaient puissants, ces monstres. Mais en fait, alors squelette, on a déjà vu. Tout ça, on a déjà vu. Bah, direction morte peine. Hein. Hop. Allez. Ok. Sympa. Sympa. C'est une ambiance très gothique. Hein. Non, ça ne peut pas être morte peine. Je ne comprends pas. Ai-je donc été absent si longtemps pour que le château soit dans cet état? Et où est ma bien-aimée Lise? Princesse Lise! Lise! Vas-y, va sauver ta Lise. Nous, on va aller fouiller parce que c'est pas normal. Les amis, moi je dis... C'est pas normal du tout. Alors là, on a un médigluant. Ok, une herbe. De l'argent. L'argent des abonnés. Ok, donc la porte est... Ok. Elle était fermée de l'autre côté. Nous avons deux médigluants. Ce que ça va, parce que les médigluants, c'est parce qu'il y a de plus puissants. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une extrêmement bonne... Enfin, ils ont une agilité extrême. Ils sont très très agiles, ces monstres. C'est assez chiant, d'ailleurs. Hein, parce... Voilà. Hein, nos coups ratent souvent, donc c'est pas cool. Hop. Ouh. Avec le coup critique qui passe bien. Non, personne n'est encore monté de niveau. Dommage, j'aurais bien aimé voir Keito monter de level. Hein. Ok. On va d'abord aller chercher le coffre qui est là. Ok, il y avait un monstre. Je l'avais pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire flamme. Et toi, tu vas faire ici. Ah ok, bon. Je pensais que ça allait le tuer et tout, en fait pas du tout. C'est pas grave, c'est qu'un détail. C'est qu'un tout petit détail. Alors est-ce que Dark Gel attaque avant les monstres? Tant mieux. Tant mieux parce que maintenant il reste que le méga... Ah mais on a dû les surprendre en fait. ...112 pièces d'or, c'est pas mal. Alors par contre, vous voyez la... Voilà, ici, je suis sûr que ça pue le... Non ? Ah ok.
Hop. Ok. On a ouvert le premier passage. Là, il y a des monstres assez chelous. On va prendre un revers pour surprendre. Un lunatique. Très bien. Ben, monsieur lunatique, tu ne seras pas lunatique très longtemps. Lol. Voilà. Au revoir. Merci d'être passé. C'était sympa. On vous revoit l'année prochaine. Non? Non. Très bien. Très, très bien. Alors. Un chevalier en armure noire a été gravé dans le mur. Mais je pense qu'il faut pas être très malin pour deviner qui était gravé sur l'armure, hein. Enfin sur la peinture. Non. Hop. Voilà. Toi tu as... Ah toi tu meurs pas, ok. Toi tu t'as dit nope. Monsieur a dit nope, hein. Ok, monsieur est mort. Donc toi je pense que... Ah non, t'attaques avant. Bon, 2 points de vie, ça va. On a connu des attaques qui faisaient plus mal que ça, hein. Hop, tu es mort aussi. Et voilà. Oh, toujours pas monté de niveau. Il est long à monter, Kaito, hein. Je suis pas... Oh là, attendez. Attendez, attendez, attendez. Y'a rien? Oh, y'a rien? Ok, c'était... Non, mais c'est la suite, en fait. D'accord. Enfin, peut-être pas la suite. Peut-être que... En fait, ici... Ouais, c'est ça. Ici, ça donne accès à 2 coffres. Donc, on va aller les chercher. Parce qu'il faut pas déconner avec les coffres, hein. Souvent, les coffres, ils donnent des trucs super sympas. Donc, on va en profiter, hein. Ouh. Les lunatiques font quand même vachement mal, hein. Va falloir qu'on se méfie, hein, parce que Eevee prend cher, hein. Et moi, je tiens à vous le dire, on perd pas Eevee, hein, c'est bon. Voilà, meurs. Oh, toujours pas. Franchement, c'est assez horrible, ça. Genre, ils montent pas de niveau, quoi, c'est... Eevee, hop. Voilà. Eevee est guéri. Hein, on prend soin d'Eevee, hein, parce que faut pas déconner. Oula, 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 oula. Ok. C'était obligé, je veux dire, il y a un moment où voilà, pris en sandwich comme ça, on peut pas s'en sortir. Alors par contre, toi tu fais... Non, 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 Dark Gel, tu attaques ici. Voilà. Tu fais ça, comme ça, parce que nous on rigole pas, hein. Eux ils font très très mal. Je sais pas si l'autre fait mal ou pas, mais je tiens pas à tester, hein. Personnellement, Ok, ça va, il fait pas très très mal. Oh! Ouh, comme t'as eu mal! Moi, ça m'aurait pas plu, je me serais battu. Allez. Ok, il se protège. Ah, il se défend. Forcément, on l'a quand même tué, mais j'allais dire on va lui faire moins mal, mais Ah bah enfin on va pouvoir apprendre son sa nouvelle carrière. Oh, il a appris le sort tornade. Taux critique. Ah non, 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 je pensais. D'accord, en fait il l'a déjà appris, c'est pour ça. Ok. Donc il a appris le sort tornade. Très très bien. Très très bien, les amis. Nous on est pour, hein, qu'il apprenne de nouveaux sorts. Ok, il a pris... Non! Ouais, je fais un bisou quand je chip, moi. Alors, combattre. Sort. Tornade. Ok. Ouais, on va voir si ça fait mal, tornade. Ok, pas vraiment. Genre presque pas, en fait. Genre, on peut douter des capacités... magique de Keito. D'accord, monsieur rigolait. Monsieur se marrait. Monsieur, ils lui ont fait une blague, ils l'ont chatouillé les doigts de pied
Il était mort de rire. Ouais. Paralaser. Ouh. Eh, il nous a fait mal, lui. Il nous a fait très très mal. C'est pas normal hein, qu'il fasse si mal. Mais qui... Oh, une mini-médaille. Chose importante. Les mini-médailles qui est un truc assez récurrent des... Qui est un objet assez récurrent des Dragon Quest. Non, c'est pas... Les mini-médailles qui servent à gagner des bonus. Ouais, ça sert en gros à ça. Le plus souvent, c'est à ça que ça sert. Il y a 100 mini-médailles à récupérer. Puis une fois que vous avez les 100, bah, vous avez un bonus de n'importe quelle sorte. Ça peut être des bonus d'objets. Bah, souvent, c'est ça. C'est soit des bonus d'objets, soit des bonus d'équipement. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je ferai la quête des trucs? Non. Clairement, non. Très clairement, non. Alors... Ah, la lame de métal. Avoir la lame de métal est une chose très très importante pour la suite de l'histoire. Je vous expliquerai pourquoi, parce que je pense que c'est l'un des objets qui... Mince. Mais... Voilà. C'est... Franchement, la lame de métal, c'est un des objets pour XP... Oh putain. Mais j'en peux plus de ce jeu. Ah mais oui, c'est parce que je fais une herbe curative et pas une herbe médicinale. Excusez-moi, j'ai honte. Donc ouais, l'herbe médicinale. Voilà, ça me torture. Non, la lame de métal va être très très utile pour la suite de l'aventure, de l'histoire, de tout ça. Puisque il y a un endroit où on peut XP... bas level, genre très vite, grâce à certains monstres. Voilà. Ceux qui connaissent bien les Dragon Quest doivent connaître. Hein, Après, ceux qui connaissent pas les Dragon Quest ne se doutent pas de ce que c'est, donc on va pas leur dire. Mais il faut vendre du rêve, donc on va leur... Voilà, on spoil un peu, hein. On dit « Ouais, y a quelque chose qui va être utile et tout, ça va être sympa, vous allez voir et tout. » Alors qu'en vrai, peut-être qu'ils vont pas aimer du tout, hein. Peut-être que pour eux, ce moyen d'XP est juste dégueulasse. Mais il faut leur donner envie de venir. D'accord, on a gagné un champignon. C'est sympa. Ok, donc la suite... Est-ce qu'on peut descendre? J'ai pas vu si on pouvait descendre dans tout à l'heure. Hop. Non, on peut pas. La porte est fermée à clé. Da. Donc on va remonter. Ok, donc là il y a un lit. Ici il y a quoi? Ici il y a qu'un médigluant. Et ici il y a des... Non. Oh, on s'est fait attraper. Alors, on tue d'abord lui. Voilà. D'abord, on tue lui, parce que lui, il me fait peur. Oh, putain. Oh là là. Oh non, là, c'est pas cool, par contre. Vas-y, crève. Oh là là là, vas-y, faut qu'on tue. Oh non, on va prendre des dégâts. Et là, on va prendre cher. Ça va. Je pensais qu'on prendrait plus cher. Quoique 17 de dégâts, ça fait quand même vachement mal. Mais Ouais. Ça fait des dégâts, hein, quand même. 101 pièces d'or. Une aile de chimère. Ça, c'est très très bien. L'aile de chimère qui est très très utile... Au début de l'histoire, hein, après on obtient un sort qui fait que c'est plus vraiment utile, mais quand vous commencez le jeu, ouais, c'est vrai que ça peut être utile. Ici. Ok, j'ai gagné une herbe médicinale dans tout ça.
Oh non, du monstre. En plus, c'est des. Je sais pas comment ils s'appellent, des boucliers? Non, des bouclicieux, pardon. Qui se défendent, mais ils se défendent presque toujours, de toute façon. Ils sont presque toujours à se défendre. C'est. Ah non, là, il se défend pas en fait, il baisse pas sa garde. Ok. Qu'en gros, il se protège et attaque en même temps. Bon, il fait pas très très mal. Mais c'est assez chiant comme truc à faire. De toute façon, ces monstres sont chiants de base, donc voilà. Après, on va pas rouler, hein. On va pas rouler. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller ici et puis on va se soigner. X, sort et aptitude. Voilà. Hop. On va soigner tout le monde. Mais non! Ok, c'est bon. En fait, je crois pas que ça utilise de magie. En fait, peut-être. Non, c'est bon. 81, 52 et... Voilà. Bon, une chance que ça utilise que 2 MP et que ça fasse pas très très mal. Attendez, pourquoi on peut aller plus bas? C'est très très étrange. Pourquoi on peut aller plus bas? Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Ok, déjà ici il n'y a rien. On va aller ici. Tu es revenu, mon amour. Je t'ai cherché partout. Tu ne te cachais quand même pas, vilain garçon. Sylvan. Ça y est, je comprends. Je me souviens de tout maintenant. Si je suis parti de morte peine, c'était pour te détruire. Mais c'est moi qui t'ai vaincu et t'as goûté à mon baiser. Je t'ai eu à moi pendant un siècle ou deux, dans un royaume des ténèbres créé rien que pour toi. Tu es à moi, ne l'oublie pas. Tu es mon chevalier carbone dans son armure resplendissante. Assez! Tout est de ta faute! Que lui as-tu fait? Où est Elise? Ah! Espèce d'idiot! Le tremblement de terre a brisé mon envoûtement. Mais rien n'arrête l'amour véritable. Je vais à nouveau lancer mon sort et nous retournerons dans notre royaume de ténèbres, seuls, tous les deux. Voilà, il manquait le petit rire. Hein. On va t'arrêter, Sylvan. Et qui es-tu? Tu ne crois quand même pas que tu vas voler mon amour, le chevalier Cœurmont? Ah, ou alors tu rêves. Ne sens-tu pas le sort maléfique que je lui ai lancé, mon joli? Ne sens-tu pas cette puissance? Mais ne t'inquiète pas, mon joli. Tu t'en apercevras assez tôt. Vas-y, écarte les bras et... Nani? Voilà, ça je me souviens que c'est un truc qui m'a toujours fait délirer. Le mec qui écarte les bras et le sort se brise. Quoi? Mes sorts sont les plus cruels et plus puissants qui soient. Ils auraient dû marcher. Qui es-tu en fait? Si tu étais humain, mon sort aurait fait mouche. Mais tu n'es pas avec eux. Oh non, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu ne nous laisses pas en paix, hein? Maintenant, je vais être obligé d'abîmer ton charmant petit visage. T'inquiète, cocotte. On va te défoncer. Allez. Alors. Niveau sort, qu'est-ce qu'on a? On a glace, ça, ok. Aptitude. Encourage un allié à augmenter sa tension. Non, on s'en fout. Attaque. Toi, t'as pas de sort. Aptitude, on s'en fout. Attaque. Sort, toi, tu vas faire altération. On va voir si ça fonctionne. Et toi. On va essayer d'endormir. Alors. D'accord, donc elle peut pas être endormie. Et elle peut par contre avoir sa défense de baisser. Ce qui est une très très bonne chose. Elle fait aussi très très mal. Carrément
On va peut-être mettre une protection sur sur Eevee. Donc sort altération. Non! Quel con! Quel con! Ouais, alors par contre, elle va avoir très très mal. Hein. Eevee, je pense qu'on va perdre Eevee. Et ça, ça m'arrange pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Donc, on recommence. Ça, altération. Et là, tu vas faire un premier secours sur Eevee. En espérant... Oh, c'est bon. Elle nous attaque, nous. Tout va bien. Oh là là, on a eu de la chance. Hein, parce que... Un petit peu plus, c'est... Ouh, tu fais mal. Attaque, attaque. On va essayer encore un altération. Et tu vas faire un protection à Eevee. Voilà. Ouh. Yuzu, si tu vas te faire un protection. Ah, est-ce que... Ok, elle ne peut plus avoir sa défense qui se baisse. Voilà. Alors par contre, là, on va faire juste un petit truc. On va juste faire ça, voilà. Là, on va full attaque. Puisque je pense pas que... Voilà, vu qu'elle a Dark Gel dans le visuel pour celui-là, il faut qu'on lui fasse mal. Alors là, Dark Gel va lui faire très très mal. Ouh, 60 PV, quoi. C'est la folie. C'est la folie, les amis. Augmente l'agilité de tous les membres. Très bien. Ça, on prend. On va se donner un petit soin à Yuzu, parce qu'on sait jamais. Hop. Donc, on augmente l'agilité, ce qui nous permet d'esquiver les attaques un petit peu plus. Hein, pas masse, mais un petit peu. Oh, le puf-puf. Bien sûr. Dark Gel, hein, on s'étonnera pas. Batac. Voilà. Voilà. Donc son agilité augmente nettement. Je pense qu'on va bientôt la battre. Parce qu'on lui fait très très mal et... On lui fait très très mal et... Donc je pense qu'on va vite la battre. Ah. Bon, on l'a foiré. C'est pas grave. C'est qu'un détail. Voilà. On l'a battu. J'ai envie de dire après ça. Voilà. Ah oui, quand même, on gagne masse de points d'XP. Yuzu passe niveau 11. Cocorico. D'accord, bah prends le coup Cocorico. Hein. Ok. Eevee passe niveau 11 aussi, ça c'était obligé. Ah oh, elle apprend le sort Bang, ça c'est pas mal. Voilà. Laisse tomber un coffre. Une paire de talons hauts qu'on va donner à Eevee, je pense. Non. Mon chevalier Carbon. Notre vie ensemble, tout est fini. Mais mon amour, tu dois savoir qu'il est impossible de revenir en arrière. Thalys bien-aimée n'est plus. Tu es condamné à errer seul sur cette terre. Princesse Liz, non, c'est impossible. Mec. C'est qu'une femme. Non, tu... Non, ok. Grâce à vous, j'ai pu rentrer à Mortepen. Pourtant, le temps a détruit mon pays. Et ma chère Liz n'est plus là pour m'accueillir. Je suis rentré enfin, mais je suis rentré trop tard. Il n'est pas trop tard. Ce collier. Princesse Liz, vous n'êtes pas... Je vous avais fait une promesse. J'avais juré de vous attendre quel que soit le temps que cela prendrait. Mon tendre chevalier Carbon, prenez ma main et dansons. La première danse que nous aurions eue comme mari et femme.
princesses, pardonnez-vous. C'est beau. Merci, princesse. Je sais maintenant que vous n'êtes pas Malise, mais... Sans vous, j'aurais été condamné à errer à tout jamais. Je savais que vous étiez le chevalier Cambon dont parlaient les légendes. J'en étais sûr. Dès que je vous ai vu, j'ai su qu'il existait un lien entre nous. Et cela n'est guère étonnant si l'on considère que vous avez hérité des souvenirs de ma bien-aimée Lise. Ainsi, la princesse Lise est ma... Merci, Keito. Sans vous, je n'aurais jamais appris la vérité. Je n'ai plus aucun regret, seulement de la reconnaissance. Bon, est-ce qu'on rentre? Je sais que j'aurais dû vous laisser faire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous suivre. C'est étrange, lorsque je dansais avec lui, j'ai comme entendu une voix. Voix féminine qui disait « Merci ». Enfin, j'ai envie de rentrer au château pour annoncer la nouvelle. Je veillerai à ce que votre récompense soit prête, Keito. Passez au château dès que possible. Ok. Donc, on va pas aller au château directement, hein. On va aller s'arrêter à Picnam. Non, on va aller directement au château. Mais on va pas... Aile de chimère, voilà. Chiribelle, l'appliqueta, Ablicia, voilà. On va pas aller directement à... Mince, comment ça s'appelle? Bah au château. On va d'abord faire un arrêt auberge. Puis on fera un arrêt... église. Pour sauvegarder et se dire au revoir. Hop. Voilà. Oh Keito, quelle joie de te revoir. Nanana, tu veux une chambre. Naturellement, tu auras un tarif personnel. Enfin, préférentiel. Hein. 12 pièces d'or. Et on a 2000 pièces d'or. Hein. Moi je dis, si c'est pas la classe. Voilà, qu'est-ce que c'est? Hop, en fait je vais aller avec vous jusqu'à l'église parce qu'on sait jamais s'il y a une cinématique qui se met. Non c'est bon. Non c'est en sortant du château. Très bien. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. On avance très très vite sur ce jeu et je suis assez content parce que c'est un jeu qui est quand même assez long et j'avais peur de ne pas être assez rapide et que... Bah finalement, épisode 10, on soit toujours au même endroit. Bon, finalement, on est épisode 5, je crois, et on va arriver à la première moitié. Enfin, on va dire qu'on est arrivé au premier quart du jeu, pratiquement lorsqu'on aurait fini notre prochaine mission, donc c'est-à-dire encore 3 ou 4 épisodes. Et on aurait fait un quart du jeu, voilà. Donc en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine et bye bye tout le monde!